Bonjour Nathalie, bienvenue sur la chaîne de Cristal. Désolée, ça fait un petit moment que je n'étais plus venue vous faire des vidéos. Malheureusement, il m'est arrivé une petite histoire. Bref, j'ai pas tellement envie de vous la raconter. Voilà, ce n'est pas le but de ma vidéo. Voilà, j'espère que vous êtes tous bien pour ça que je suis sur ma chaîne de Cristal. Et aujourd'hui, on va faire un haul Shein. Alors maintenant, j'ai décidé de séparer un peu les hauls Shein. En fait, c'est-à-dire vous faire tous les vêtements d'un côté. Et tous les autres produits d'un autre côté. Voilà, donc vous faire plusieurs hauls à la fois. Parce que sinon, si ça fait un gros haul, j'ai pas assez de place pour vous tourner un gros haul. Donc le haul, je vais le faire en plusieurs fois. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai un rouge à lèvres de chez Shein pour maquillage. J'ai les boucles d'oreilles, vous voyez, comme ça. J'ai décidé, bon, j'ai pris les premières qui venaient en fait, hein, pour vous dire. Voilà. Donc vous voyez, ça fait un genre comme ça, voilà. J'ai pas mis de fond de teint, mais vous verrez que dans d'autres vidéos, je montrerai plein de nouvelles palettes de chez Shein et plein de nouveaux maquillages de Shein. C'est parti, on commence la vidéo tout de suite. Donc, premier article. Donc, la veste, je l'ai mis à laver. Malheureusement, je me suis trompée. En fait, j'ai laissé quelques affaires dans mon sac. Donc, malheureusement, je ne peux pas tout vous montrer. Voilà. Donc, puisque j'ai mis à laver. Donc, vous avez un pantalon de pyjama là, noir. Voilà. Comme ça. Un peu en espèce de pas velours, en espèce de satin. Voilà, donc je vais vous dire les tailles. De toute façon, toutes les tailles, je crois que c'est du 3XL. Donc il est comme ça. Voilà. De toute façon, je montrerai. De toute façon, je mettrai toujours les photos sur Instagram. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de les mettre vu que j'ai eu un petit problème la semaine dernière. Enfin, ça fait presque 15 jours que j'ai eu un petit problème, voilà. Donc j'étais pas présente sur les réseaux sociaux. J'ai regardé certaines de vos vidéos, mais sans trop les regarder, voilà. Parce que j'avais pas de cœur à les regarder, malheureusement. Voilà. Et j'ai toujours pas trop de cœur, voilà, malheureusement. Donc, premier article, un pantalon de pyjama. Après, donc j'ai pris aussi des vêtements aussi pour mon fils aussi. Donc, je vais vous montrer aussi, voilà. Quand je tombe dessus aussi. Donc, pour mon fils, j'ai pris un polo, voilà. NASA, vous voyez. J'ai pris bleu et rouge. Voilà. Ensuite. Donc, c'est taille L. Hein. Quand c'est pour mon fils, c'est du taille L. N'oubliez jamais ça. Ça, je mettrai tout en barre d'infos. Voilà. Donc, ensuite, après, vous avez des t-shirts. Donc, ils sont vraiment très jolis. Comme ça, vous voyez. Je crois que c'est ouvert sur le côté, non? Non, même pas. Je pense pas. Non, même pas. Voilà. Donc, ça, j'ai pris. Quelle taille? Que je vous montre. Alors, j'ai pris trois couleurs. J'ai pris rouge. De toute façon, je vais vous montrer toutes les couleurs que j'ai pris. Parce que j'ai pris en plusieurs couleurs. Bah celui-là, malheureusement, je crois que c'était 2XL ou 3XL, bref, je sais plus. Voilà, donc un t-shirt comme ça. Voilà. Assez large. En rouge, bordeaux. Ensuite, vous avez ici. Non. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir du tout. Voilà. Donc après, je crois que cette chemise, vous l'avez déjà vue sur Instagram. Voilà. Donc là, je l'ai repris en plus grande. Parce que quand vous mettez un, comme c'est un peu transparent, quand vous mettez un t-shirt en dessous, bah, c'est un peu serré du 3XL. Donc là, j'ai pris du 4XL. Voilà. Je l'ai repris en 4XL. Comme ça, moi, je suis bien large dedans, au moins, et je suis pas serré dedans. Voilà. Et comme c'est un peu transparent, je peux mettre un t-shirt, un débardeur, un truc pour cacher. Donc voilà. Donc pour mon fils encore, je l'ai pris un autre débardeur, comme, non, polo comme ça. Voilà. Toujours un NASA, vous voyez. Un NASA. Voilà. Ensuite, ah non, parce que je vous ai déjà montré ça, il y a des trucs que je vous ai déjà montré la dernière fois, donc je vais pas remontrer. J'ai pris un short comme ça, NASA pour mon fils, pour aller avec les polos. Voilà, là vous voyez, NASA, voilà, toujours taille L, parce que lui met que du taille L malheureusement. Voilà, bah là, comme le rouge que je vous ai montré, mon t-shirt, attendez que je retrouve le t-shirt. Enfin, c'est très dur ce que je vis en ce moment, mais bon, on fait avec. Hein. Parce qu'entre-temps, je vais vous raconter après l'histoire. Donc, vous avez le même t-shirt qu'en noir. Enfin, que le rouge bordeaux, je veux dire en noir. Voilà, je ne sais même plus parler. Avec tout ce qui m'arrive ces derniers temps, je ne sais même plus parler. Ensuite, j'ai le même en vert kaki. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Moi, je les ai essayés, franchement, ils sont magnifiques. Ils me vont très bien. Moi, j'aime bien quand c'est un peu large, quand c'est pas trop serré, parce que moi, j'ai des.
bras qui sont hyper larges. Donc voilà, en vert, ça, en vert kaki, ça se présente comme ça. Avec une petite poche sur le devant. Voilà, qui est très bien. Ensuite, je vais vous montrer les deux dernières parties qui me restent en vêtements. Donc, vous voyez là? Voilà. Donc, c'est un peu style américain. J'ai voulu prendre. Voilà. Donc, là, je vais vous dire ce qu'est que j'ai pris parce que c'est marqué dessus. Je crois que c'est 3 XL. Voilà. Donc en fait, ça me sert de. Ça me fait une combinaison, genre. Parce que, genre, c'est très long. Voilà. En comme ça, là. C'est très long. Donc ça me sert un peu de combinaison. Voilà. Moi, je suis très contente. Et vous avez en cette couleur-là aussi. Voilà, c'est le même. Voilà. Il est superbe. Moi, je les adore. Celui-là, je crois que c'est le même taille que l'autre aussi. Du 54. Voilà. Donc moi ça me fait un peu genre combinaison. Voilà. Avec un caleçon ou un caleçon. Ou sinon vous mettez avec un jean et vous remontez le t-shirt un peu. Voilà. Vous mettez un peu dans le pantalon. Moitié pantalon, moitié sortie. Le t-shirt. Voilà. Et sinon, avec un caleçon, vous laissez, ça vous fait une genre de combinaison. C'est super. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais vous montré en vêtements. Parce que j'avais plein d'autres pantalons, mais que il y en a un que j'ai renvoyé et tous les autres, j'ai donné. Voilà. Ensuite, bah, ma vidéo. Alors, donc, je vous explique. En fait, dans la semaine dernière, il a fallu que je revienne mardi dernier pour chercher des colis, pour faire ce que j'avais à faire. Voilà. Mais je ne m'attendais pas à autant de colis. En fait, j'ai eu 5 colis. Et il y avait un gros carton. Parce qu'il y avait des choses pour moi, pour mon frère, pour mon fils, pour nous trois. Donc, voilà. Et donc voilà quoi. Malheureusement, normalement je voulais pas revenir, mais moi bon, j'étais bien obligée de revenir pour les colis. Voilà, parce que en fait, ben j'ai passé une semaine assez difficile la semaine dernière. Là, j'essaye de me reprendre en main, tout ça, voilà, mais bon, vous savez, c'est pas toujours facile. Voilà, je peux pas vous dire ce que c'est parce que ça vient, c'est pas moi-même qui ai eu ce problème-là, c'est une autre personne. Voilà, ça serait moi qui aurais ce problème-là. Je pourrais vous en parler, mais là, ça ne vient pas de moi. Donc, malheureusement, j'ai pas l'autorisation de vous en parler. Voilà. J'en ai parlé à mes proches, mais sinon, pour l'instant, j'en ai pas parlé. Voilà. Pour vous dire. Sur ce, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Voilà. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Cristal. Prenez soin de vous et de vos proches.